Salut tout le monde, alors là je suis au Walmart et il y a des nouveaux vêtements donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors on va commencer tout de suite avec celui-là. Il s'agit du Batman Zombie. Plutôt sympa. Ouais, et sur le prix on est sur du 14,94$. 97 pardon. On a celui-là. Pareil, 14,97$. On a celui-là également. Avec le Taz Flash, ils viennent tout juste de sortir, ils sont tout collés. Et puis on a lui, je sais même plus comment il s'appelle. Et à l'arrière, ça donne ça, on a le derrière de la cape tout simplement, 14,97 également. On va avoir ce petit sweat à capuche. Là on est sur du 24,97. C'est sympa, mais ce n'est pas pour moi. On va avoir des petits pantalons comme ça. Qui vont avec le t-shirt noir que je vous ai montré juste avant. Et aussi on a une belle petite casquette que j'hésite à prendre. En plus elle a une belle petite forme, elle fait un peu Batman Tactical, la Justice League à la Ben Affleck là. J'aime bien. Elle est à 15$ si je me trompe pas. Ouais, 15,97. Après on en a d'autres qui sont sympas aussi. On a des Jurassic Park. Ça change, j'aime ça, côté vintage. On va avoir Gardien de la Galaxie, Coca-Cola, Vendredi 13. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le CH, ça c'est l'équipe de hockey de Montréal. On en a une de Game of Thrones, comme ça. Ça, on a un petit peu de manga aussi. On va avoir du Mickey. Ma foi, du Overwatch. Watch, pardon. Il y a celle-là. Du Spider-Man. Et puis, ma foi. Ouais, ça c'est plus chasseur. On en a une autre de Mickey juste ici. Et une de Black Panther juste là. Ouais. Puis après, on a quoi d'autre? C'est des nouveaux vêtements. C'est une nouvelle collection. La NASA. La NASA, ça marche beaucoup ici. On a beaucoup de t-shirts de la NASA. Game of Thrones. Ouais, ça ressemble à ça, quoi. Après, c'est toujours les mêmes. On a du Venom. Et puis là, ça, c'est ceux qu'ils ont de base. Hein. Tout ce qui est Star Wars, Batman, les emblèmes de base, Jurassic Park, Iron Man. Donc, on a un petit Sonic ici. Effet pixel. Ouais. Après il y a du Halo juste ici. Il est joli celui-là. Du Dark Vador, pas Star Wars. Ça c'est du Naruto. Tiens, les valeurs. On va aller voir de l'autre côté, tiens. Pareil, ACDC. Ici c'est quoi? Sonic. Et Space Invader. Bon, ça ressemble à ça. Ça c'est la Xbox. Minecraft, ça, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Pareil. Ouais, bah dans le fond, ça ressemble à ça. Pour les nouveautés en termes de vêtements, celui-ci, je l'ai. Et puis, voilà, quoi. Bon, bah, retour à la maison. Brancouille, j'ai envie de dire. J'ai rien acheté du tout, en fait, parce que la casquette... Je suis pas trop un gars de casquette. J'en mets une fois de temps en temps, quand j'ai la flemme de me coiffer. Donc je l'ai pas acheté. Niveau jouet, bah, il y a que dalle. C'est un truc de ouf. Je suis outré, quoi. Il n'y a pas de flash. On arrive bientôt à la fin du mois. Tiens, je viens de me casser le moral tout seul. D'ailleurs, à tous les Québécois qui vont regarder cette vidéo-là, dans 2 mois, c'est l'hiver. Donc là, boum, allez hop, le moral à zéro. Donc c'est ça. Donc on a toujours rien de flash. Non, dans le fond, j'allais à Walmart tout simplement pour regarder s'ils avaient des nouvelles Batmobile Hot Wheels. Que dalle. Donc il y a rien du tout. Je suis vraiment déçu, quoi. Donc après, niveau vêtements, bah là, c'est ce que je vous ai montré. Voilà. En ce moment, je suis dans les rénovations, donc plus trop de vidéos, j'ai pas trop le temps. La semaine dernière, on a eu une grosse semaine d'intervention, plus les rénos. Donc j'ai pas eu du tout le temps de faire de vidéos.
Et anyway, j'ai regardé, il y a pas grand chose qui est sorti, donc voilà, plutôt préparatif pour la Fan Expo. Vraiment hâte, c'est dans une semaine pile poil quasiment là. Ouais, demain ça fera une semaine pile poil, donc j'ai hâte de filmer tout ça, j'ai hâte. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une bonne journée, et puis bah je vous dis à bientôt. Salut!